Bonjour les CP. Alors hier nous avons commencé deux nouveaux sons, le son I qui s'écrit soit A-I-L quand le mot est masculin ou A-I-2-L-E quand le mot est féminin. Et le son A qui s'écrit E-I-L quand le mot est masculin et E-I-2-L-E quand c'est féminin. Donc c'est parti, on lit les mots. De l'émail, un conseil, un gouvernail, de l'ail, pareil, une groseille, un embouteillage. Vous vous souvenez que le son I, deux L, ça fait y, y, donc ayage, travailler, conseiller. On lit les phrases. Cette petite corneille, c'est un petit oiseau noir qui ressemble à un corbeau, est plus rusée qu'un renard. Le bétail, alors le bétail c'est le troupeau de vaches, passe par le portail. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Donc le réveil c'est ce qui sonne le matin pour se réveiller. Sommeil c'est quand on dort. Les mots outils, aujourd'hui, ça va être plus et aucun. Alors, on va lire l'histoire de Taoki. Le soleil est resplendissant, donc il brille. Hein, le temps idéal pour visiter un château fort. Je rappelle que EAU, ça fait le son O. Les enfants, donc là je fais la liaison, le S entre deux voyelles, ça fait le son Z. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Les déguisements médiévaux, ça veut dire qu'ils sont des déguisements du Moyen-Âge. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Et Taoki, la côte de maille. Et le home. Alors, le home, c'est en fait comme une capuche qu'on met en dessous du casque. Voilà, on voit là. Donc, la côte de maille et le home. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Donc le pont-levis, c'est en fait ce pont-là qui se relève pour fermer le château et qui protège complètement le château des envahisseurs car il y a les douves qui sont remplies d'eau. Donc si ce pont n'est pas baissé, eh ben, personne ne peut rentrer dans le château. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Voilà, donc on a lu les mots, les phrases et l'histoire de Taoki. Vous vous entraînez bien et on continuera la semaine prochaine.